Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Dépendamment de l'heure que vous regardez la vidéo, c'est Dan Love Cooking and More qui est entré la caille. Aujourd'hui, je vais vous donner une nouvelle recette pour nous qui c'est côté que moi, je vais préparer dinde. Je vais préparer coden pour Thanksgiving. Et avant que je m'avance plus loin, je vais vous demander s'il vous plaît, abonnez à la chaîne, like et partagez. Encouragez-moi avec le travail. Ok, nous allons commencer tout de suite. Ok, mesdames et messieurs, vous m'avez commencé. Moi, je vais vous donner pour dents là, moi, un citron. Citron que je vais utiliser. C'est pas tout ça, mais je vais vous donner ça. Ils auront ici. Ils auront ici, moi, un vinaigre. Pour Thanksgiving, moi, je vais un beurre qui est fait avec l'ail et beurre d'olive que j'ai besoin. Moi, je vais un persil. Un petit persil chinois, il y a des persil chinois, moi, même du goût. Moi j'ai un petit céleri que je vais préparer cette épice. Moi j'ai un piment. Moi j'ai un thym. Et puis moi j'ai un poivron rouge, poivron vert qui est différent. Moi j'ai l'autre poivron vert encore, poivron jaune. Moi j'ai utilisé tout la donne. Et moi j'ai un poireau, moi j'ai un cire. Moi j'ai un petit chou, par contre comment je sais, un petit chou tout petit qu'à mettre. Là j'ai utilisé pour décorer pour demain. Et moi j'ai un le coin, tout ça va vous mettre. Moi j'ai une carotte. Et pour épices, ça c'est lemon pepper, ça c'est un poudre qui fait un citron, poivre, piment. Et moi j'ai sel, sazonné. Moi j'ai encore et moi j'ai l'autre, gingembre en poudre, piment. Et comment il dit ça? Piment. Piment rouge, un petit oiseau, un jeune, séché, desséché. Un paprika qui fait avec poivre rouge là. Oregano. Et moi j'ai une viande pour me faire préparer, pour me faire face mes dents. Moi j'ai l'ail. L'ail, moi déjà calé. Je vais arriver à ce qu'on donne, mesdames et messieurs, moi pour vous, les balis. Il était dans les pièces. Ok, jeudi, c'est pas jeudi, qui n'a pas cuit qu'on donne, je vais préparer jeudi. Pour demain, c'est demain pour nous cuire, parce que c'est demain, fête là. Ok, mesdames et messieurs, on continue. Mesdames et messieurs, vous cherchez combien qu'on donne à mesurer, combien de kilos. Moi pas jeune exactement, vous dites combien de kilos il y a. Ben, ok, nous allons commencer tout de suite. Là, vous commencez, mesdames et messieurs, je vais préparer l'ail. Je vais prendre l'ail pour compte parce que, et puis si on pile, je vais faire l'ail pour compte. Et je vais mesurer combien l'ail. Je vais mettre besoin qu'il y ait bon pour l'ail, mais je vais blender tout ensemble. Ok, là, mesdames et messieurs, l'autre ingrédient que nous avons en plus, c'est nous avons okay, sel, notre paprika, et nous avons piment, là, je ne sais pas piment, épices, marie, dis-je, marie, l'huile, l'huile d'olive, et puis, nous allons commencer. Ok, là, on va mettre l'ail avec l'huile d'olive, blender. Ok, là, je vais mettre après. Je vais prendre combien de clients mettre. Je vais préparer l'épice là. Ah non, même ça, je vais mettre l'ail. Je vais mettre, je vais continuer à faire l'autre épice. Parce que je vais faire l'épice à l'ail, bien que je vais faire un pile. Là, je vais utiliser tout le poivre. Parce que après, je vais mettre en bas pour le codellement. Je vais utiliser la lame. Je vais faire le carbone pour le codellement. Avant que je mette le bien sur le côté codellement. Je vais mettre la épice là, parce qu'il y a un peu de goût. Là, ça me saupe avant. Je vais mettre poivre, poivre jaune, on va acheter poivre rouge. Là, on a vidé toujours. Bon, on va pas vidé tout ce goût. Juste, il y a une échalote. On va échalote. On va mettre tout la épice là. On fait un bon épice remboursé. Je sais que ça va bien. A bien qu'à la donne parce que. Et puis ça vient de l'autre base. Non, ça arrive pour une balle piste. Ou à ciel. Parce que. Fait ça est spécial pour vous donner. A bien bon piment, bon l'ail. Si vous voulez faire des oignons, on met tout là. Et puis ça va. Mettez trois piments parce qu'il y a un peu de piment, un peu de gingembre, tout ça va piquer. Vous avez besoin de vous donner frais. L'ail, le piment vert, le piment poivron. Il y a pas de compliqué, ça fait. On va mettre trois piments. Comment ça veut dire à mauvais tout? On va mettre ça pour les frettes. On va mettre ça, on va mettre pour. On va mettre. Tiens, tiens, mes amis. On va mettre. Je vais acheter un map juste pour faire tiens. On va mettre l'épice. On tient pour mettre l'épice. Ensuite, on va mettre un petit brin de céleri.
dans l'épice, on va se dire ça. Les radis, ça, moi, mais c'est les rien. Dans l'épice, mes anticales. On va mettre tout. Bien que c'est côté. Mes anticales. Dans l'épice, moi, je mets dans l'épice, moi, je mets saveur. Ensuite, le persil. On va en morceau déjà. On va quitter le petit morceau. On va mettre le persil, là, tout ça. On va mettre le persil. C'est persil. On va se mettre là, on va le laver. Ok, là, on va laver. On va montrer comment on lave. Bah, yo, juste parce que vos vidéos sont tellement longues. On va juste. On va montrer. Tika, tika. On mange ce poivron vert. Ok, là, mesdames et messieurs. Là, il y a un piment piqué, piment poivron vert, poivron rouge, poivron jaune, échalotes, oignons, et poireaux, gros poireaux. Hein? Et puis, nous avons persil, céleri. Juste, on va mettre. On va mettre ça encore. Juste là. On va bien dépisser pour nous continuer. Ok, là, on va ajouter ma vie, mesdames et messieurs. Une magnina. Magui Haïti. Avec ma vie ici, mélanger ensemble. Ok, on va plus de ça. Allez. Mais on va mettre ça. Ok, là, on va mettre un citron. Citron, mettez un grain de citron. Citron bon, moi-même. Et citron qui a passé la poulet. On a bien saisonné, il est bien piqué là-bas. Il est bien piqué pour côté nous faire l'espace. Passer mes bas pour avoir capable de mettre assaisonnement là-dedans. Et c'est comme ça. Là, madame, messieurs. Ok, madame, messieurs, on continue à laver. Ok, là, mesdames et messieurs, là, on va mettre l'ail. On va préparer épice. L'ail. Ça, c'est l'ail, moi. Je m'en dis non, ça, c'est l'ail qui m'a été montré, qui m'a été blendé avant. Après ça, on va ajouter en beurre. Ok, là, mesdames et messieurs, on va ajouter beurre. Ça, c'est en beurre qui fait avec l'ail tout. Après, si. Comme notre ingrédient, c'est les compositions. On va faire. On va ajouter beurre. On va ajouter bon coupé. On met toujours parce que vous mettez là déjà, on va mettre un peu dans le beurre et on va mettre dans l'autre parce que c'est l'autre qualité beurre simple qui fait l'huile d'olive. On met un petit peu là-dedans. Ok, là, on va ajouter l'ail beurre et on va ajouter l'autre assaisonnement. Ça, on va mettre là-dedans. On a un petit peu. Premièrement, on va brasser. C'est là, moi. On mettait le gingembre en poudre. Et puis, ça, il y a un bon piment, on va mettre le gingembre, c'est ça. Parce que le gingembre, ça va être piqué. Et puis, on va mettre. Ça, c'est oregano. On va mettre le bon poudre. On mélange la ferme, on mélange. À base de tout ça, bien. Là, madame, si on va mettre paprika. Paprika, ça fait avec la base de piment rouge. Pas la balle couleur. La balle assaisonnement couleur. C'est la gare là. Oh, les gars, on va faire dans l'autre couleur. On y a une dans l'autre couleur. Bon, paprika, paprika, ça va. Une paprika. Dans l'autre paprika. La troupe, puis maintenant, il va arriver à piquer. C'est pas carré, non. Ça, c'est un piment. Un piment, piment sec. On met là-dedans tout. Et ensuite, on met montade, montade en poudre. On met bon montade. On met l'huile. Parce que j'ai un petit peu de caprice. Moi, l'huile d'olive. Là, j'ai de l'huile d'olive. Ok, on met un petit sauce comme ça. Il fait avec. Avec le chicken. Comme ça, non. On va regarder un petit peu plus. Il y a un poulet tout. Pour ça,
pour bien sel, bien sel. Et j'en ai pas encore. Voilà, j'ai tiré mon paper. Je vais t'appeler si c'est mon paper, là, c'est goûter le bal bon saveur. Ok. J'ai acheté mon paper. Ça me vaut pas, j'ai fait. Notable. Je vais me permettre tout ça, qui est fait avec adobo. Et tout adobo. Donc, sans tout calculer, mettez tout. Mettez tout. On mettez girofle ou girofle, vertical. Parce que c'est pas qu'un peu poil. Et petit poivre. Ça sent l'ail, à sable, un peu de l'ail, un vertical, l'ail boucané. Il y a un petit goût, il y a citron salivé. Il y a un petit goût de citron dans moi. Bon, vraiment beau. Alors ça m'a fait mettre plus de beurre et plus de crème pâte. Enfin, c'est parce que ça a été trop petit, même que vous mettez plus haïtienne. On va mettre un petit calme. Encore. Comme dis-moi, je vais renforcer l'assaisonnement. On va mettre plus. Voilà, on va mettre plus. L'ail. Ça, c'est l'ail. On va mettre encore. On va mettre un cuillère en plus. Ça, c'est moi, je vais mettre tout pour respecter parce que ça, c'est seulement pour ça en faire. Et bien, ça va être pour ça m'acheter. On va mettre plus de beurre. Ça. On va mettre ça à base de l'ail. Ok. On va mettre un cidre. Yeah. On y a la nouvelle méthode. Ok, bien, on a un peu de ça, tout nagui. Un peu de sasson. Mettez ça là dans le dos. Une fois, c'est médian. On connaît tous les ingrédients, ça va médian, on va besoin de mettre sel. On va le dire finalement, on va mettre sel. On va mettre sel, on va ajouter sel. Ça, ça m'a obligé de goûter, vous voyez comment on dit. Mettez ça là, un peu de sel, on trouve qu'il est très bon. Tout le monde est très. On a la même trouvé que il est vraiment bon. On va l'ajouter épices à la haïtienne. Épices. On va l'ajouter. Voilà. On a bien raison d'avoir des épices. Et un bon acide citron. On va passer dans le poivre. On va mettre plus d'épices à l'haïtienne. Bon, mesdames et messieurs, c'est vraiment bon. Vraiment bon. Et puis ça, c'est comme si on va le manger à pain. Un bon petit goût épices à l'haïtienne. On va donner un acide. Vraiment, vraiment, vraiment goûter comme si on mangeait. On va écouter déjà. Et puis ça, on peut l'ajouter. Et c'est plus. Ok, il va en revenir. C'est un petit naturel. Je l'ai vu, c'est plus. Donc là, mesdames et messieurs, on a brassé. C'est plus. On va mettre un petit dato ça. Et celle-là, toujours bon. Moi, je vais manquer celle. Parce que je vais mettre un petit dato de celle. Toujours conservé. Bon saveur. Toujours conserver bon saveur. Là, on a ici deux oignons ici, deux citrons. Deux oignons ici, on prend quatre citrons, dis-je, parce que tout ici, on va faire un problème. Là. On prend un jus pour le mettre dans l'assaisonnement. On va le mettre. On va le mélanger avec l'assaisonnement. On fait passer dans l'épice. Hein, parce que ça, c'est une épice. Si ça, c'est acide, acide citron, mélange à l'orange. On va mettre tout ensemble. Allons. Assaisonnement plus solide, plus augmenté, plus liquide. Vraiment bon. Vraiment bon. Ok, mesdames et messieurs, là, c'est assaisonnement ça. On a bien gardé. Tout c'est tout équipe. On mettait en dedans comme dehors, en bas pour, comme dehors pour. C'est assaisonnement ça, c'est vraiment cool. Là, on va mettre un petit calcène. Je vais plus parce que c'est dans bien brûlé. Ça y est, on sait ce qui fait à l'ail. Ok, là, mesdames, messieurs. Jeanne Noël, là. Ok, là, mesdames, messieurs. Moi, j'ai gagné. On va laver tes clients. Tu es déjà en attente. Non, c'est la citron. Je vais passer la citron sous lui. Quand il y a là, on va laver. On va bâtir. Et chis. Pour donc assaisonner, pas oublier. Non, pas besoin de chauder. Les gens qui disent chauder, pas besoin de chauder.
Fait qu'il n'y a pas besoin de chauder parce qu'il va aller dans le fou. Donc, on fait qu'il y a un carrière. Donc, je suis dans la vie. Quand la verbe a deux choses, c'est tout pour les tigresses. Il y a des tigresses, c'est vrai. Ça me bave, madame. Ça, je n'ai pas de texte, toujours, mais je suis bave. Et c'est tout seul pour qu'il y a un pas débouché pour pouvoir dévimer. Malgré ça, vient que ça ici toujours. Regardez, on a fait regardez là, tout ça, même passer tout là, c'est quand une nouvelle besoin pour les épices, la donne, enfin, tout ça, et c'est le frère qui nous joigne avant qu'il n'ait vu. Ok, la main va laver. Ok, la main va ok, on va dégoûter, t'es qui, hein? Arrêtez. La base, assaisonnement. Et où? Ok, on va dégoûter. Ok, là, mesdames et messieurs, on va mettre un gant. On va mettre un gant pour être capable. On va mettre un gant pour être capable d'assaisonner. T'es qui, hein? Aussi, non, dinde là. Aussi, non, code, là. N'importe quoi. Non, on connaît. C'est ça qu'il a fait. On va mettre deux gants, là. Parce que puis ça, il y a un petit piment. Il y a un piment. La donne. À l'action. Je vais manger, manger, manger. Je vais faire du bien. Bien, le pain va passer dans le fond. Ok. C'est comme ça, on va commencer par faire. On va embrayer, madame. Moi, t'as dû supposer mettre des petits sels avant que je m'en fasse pour ces tiens. Sel, mon sel, ça va pas suffire. Bien que je me sens chier. On va mettre des sels. On va mettre des sels là. C'est ça, hein? On va beaucoup de temps, hein? Pas oublier que c'est pas jeudi, on va saisonner, c'était qui en c'est pour demain, si Dieu fait, au moins il a bien 12 heures de temps dans l'assaisonnement. On est sûr que vous avez un bon assaisonnement. Il va faire 6 heures, 6 heures. Il est 6 heures, il va faire 7 heures. Et ça, c'est pour le matin pour nous lever mettre, il va bien 12 heures de temps dans l'assaisonnement. C'est comme ça que on a quitté qui a dormi, demain si demain on a fait la procédure. Ça va bien. Mettez la fin assaisonner là l'abdomen assaisonnement jusqu'à demain si tu veux pour nous quitter. Allez, végétal. On met qui a un peu de chariot. Ça c'est un ingrédient qui me gagne pour te qui a. Avant des viandes nouvelles faites maintenant, donc façon, vous mettez en détente. Les végétales qui sont brûlés. J'ai un brocoli, j'ai un petit chou, brocoli, poivron jaune, poivron rouge, poivron vert, poivron à vanille, thym persil, un petit point céleri, feuille là, et puis l'autre céleri, bois, oignon, piment ça va piquer, on a un piment, et puis poireau, feuille poireau avec là. Tout ça, vous nous mettez en détente.
Là, je vais préparer pour la viande. Ok, je vais regarder là, ça c'est une échalote. Je vais mettre dans les végétales que je vais mettre en dedans. C'est qui, hein? Je vais poser dedans. Là, je vais dire chaud, on va mettre des huiles d'olive. Ça c'est bien, non? C'est droit des pieds. Et moi, là, je vais laver la petite sel, citron, et je vais couler là, parce que je vais mettre des petits sassons, des petits épices là-dedans, des sassons, là-dedans. Alors, puis des oignons, oui, parce que je vais commencer à dorer, en là, c'est bon, bon. Voilà. Ok, c'est comme ça, nous finis ranger. Là, nous allons mettre papier aluminium sur lui, parce que en premier temps, pour vous, pour y en avoir pas qui pour le soir. C'est comme ça que nous avons dit ici. On va mettre tout à tout acide. Il était dominant acide. Allez. Il bourré. Déjà, le lumière est tout là. À 350 degrés. On va mettre. Voilà, c'était le résultat. Ça. Bye bye. Au revoir pour une autre vidéo.